Odiormassa qui va jouer le duel avec Michael Stockton, ressortir pour le shoot de Léopold Cavalière, lui l'enfant de l'élan béarnais qui allume la première mèche. L'écran de Odiormassa, Odion Skouroux pour Matt Mitchell qui redonne au Letton. Skouroux, tête de raquette, l'adresse de l'international Letton qui ressort pour Marcus Cummings, ouvert à 3 points, il ne sanctionne pas. Et le ballon récupéré, la relance immédiate avec DeAndre Lansdowne. Qui ont perdu deux ballons en l'espace de 3 minutes. Et encore un troisième avec Rodion Skouroux qui surgit et qui score en contre-attaque. Marcus Keane qui va passer en revue toute la défense. L'extra passe jusqu'à Matt Mitchell. Oh, c'est compliqué ce qu'il a tenté. Avec Iki Udano et Matt Mitchell. Va repasser par Marcus Keane. Paul Lacombe également est sorti du banc. Et à 3 points, Matt Mitchell. Marcus Keane. Ça rentre pour le meneur américain. Gros pourcentage cette saison pour lui. Hein, 38% à 3 points. Tenir le ballon. Keudano qui ressort pour Marcus Keane. 1 mètre derrière la ligne. Marcus Keane. C'est déjà la folie. Et Ilan Pietrus. Pour jouer la deuxième chance avec Odiormassa. Et cette fois-ci, c'est Paul Lacombe. Pour l'élan béarnais, complètement relancé. Ils avaient 12 points de retard à l'issue du premier quart-temps. Au Cavalière. De bons gestes. Et de Betis en Espagne. De belles références. Marcus Keane sur la remise en jeu. Vendredi soir sur LNB TV. Avec le duel à distance entre Saint-Quentin et l'élan Chalon. Mitchell trouvé à l'intérieur, dans le dos des Béarnais. Avec Marcus Keane. Marcus Keane va le prendre. Ce shoot à 3 points, il aime ça. Jouer sur pick and roll. Marcus Keane qui passe derrière l'écran et qui va finir en flotteur. Marcus Keane à 3 points, première intention. Marcus Keane qui est peut-être en train déjà sur le parquet de Dijon. Et le contre de Odiormassa sur Vitali Chikoko. Ils sont tous montés en température à l'image de Léo Cavalière. Et le contre de Odiormassa sur Vitali Chikoko. Ils sont tous montés en température à l'image de Léo Cavalière. De cela, Keudano. Keudano face à Lenning Sané. Udano qui remporte son duel. Udano avec Lansdowne. Et la réponse de DeAndre Lansdowne. Qui va aller jouer le duel avec DeAndre Lansdowne. Ballon récupéré par la SIG. Un dernier shoot à 3 points. Au buzzer. Le buzzer beater. Si on prend le ratio sur 100 possessions, c'est la 17e attaque de Betlic Elite. À 3 points, Marcus Keane. Il est injouable. La relégation soit officielle, en tout cas sportivement. Marcus Keane avec Léo Cavalière. Il est seul. Ils ont peut-être un rôle à jouer la saison prochaine dans la reconquête de l'élan béarnais. Jovski à 3 points. Et le Rennes s'apprécie.